interpréter une cholangiographie avec des exemples à la fin de la vidéo. Donc déjà, avant d'interpréter, on doit savoir c'est quoi. Donc on va voir la définition de la cholangiographie. C'est quoi au fait? C'est une radiographie. C'est un examen radiologique permettant la visualisation des voies biliaires, comment par leur opacification. On va les opacifier par injection de produits de contraste radio-opaques. Ceci va nous permettre de visualiser les voies biliaires. Donc, cette cholangiographie va nous donner une cartographie. C'est comme une carte. Elle va nous montrer les voies biliaires intra- et extra-hépatiques, ce qu'on appelle le cholangiogramme, l'hépatogramme. Et ceci va nous permettre de traiter la pathologie et de décider de la stratégie thérapeutique. Maintenant, c'est quand qu'on va faire cette cholangiographie, c'est-à-dire quelles sont les indications à la cholangiographie. On a 9 indications à la cholangiographie. Je les ai résumées ici. Donc, on va aller étape par étape. Déjà, la première chose, c'est la lithiase de la voie biliaire principale. Quand je dis lithiase de la voie biliaire principale, je ne parle pas de lithiase de la voie ou bien je ne parle pas des voies biliaires ou bien de la vésicule biliaire et du canal cystique. Non, on ne parle pas ni des voies accessoires, ni de la vésicule biliaire, ni du canal cystique qui sont, donc canal cystique et vésicule biliaire, c'est les voies accessoires. On parle de la voie principale. Car donc tout ce qui est pathologie, on va dire biliaire, c'est plus l'échographie. Mais quand c'est la vésicule biliaire principale, la cholangiographie a tout son intérêt. Okay? Donc là, quand je parle de lithiase de la vésicule biliaire principale, on n'inclut pas la vésicule biliaire et le canal cystique qui sont considérés comme les voies accessoires. Deuxièmement, c'est les facteurs de signes prédictifs. Parmi les facteurs de signes prédictifs, je vais parler d'antécédents dictaires. Antécédents dictaires, quand je parle d'antécédents dictaires, je ne parle pas de la triade de Charcot. Attention, c'est à différencier. Quand je parle de la triade de Charcot, douleur, fièvre, ictère, qu'on peut regrouper sous le mnémotechnique DEFI. DEFI, c'est douleur, fièvre, ictère avec cet enchaînement. C'est la triade de Charcot. Cette triade, ce n'est pas dans le cas de la vésicule biliaire principale, ce n'est pas dans le cas de la LVBP, ce n'est pas dans le cas de la lithiase de la voie biliaire principale ou bien de la lithiase du canal cholédoc, mais plutôt c'est dans quel cas? C'est dans la complication. C'est la complication donc, qui est l'angiocolite. C'est la complication de la lithiase vésiculaire. Donc, dans ce cas, lithiase de la vésicule. Allez, donc pour bien différencier ça, je vous ai parlé de l'angiocolite. L'angiocolite, c'est l'infection aiguë des voies biliaires. Et pour la cholécystite, c'est l'infection aiguë de la vésicule biliaire. Donc là, ça n'entre pas. Cet ictère qu'on trouve dans l'angiocolite n'entre pas dans les facteurs ou bien les signes prédictifs de la lithiase de la voie biliaire principale où on va demander une cholangiographie. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, et puis, quand je parle aussi de lithiase de la voie biliaire principale, je vais vous parler un peu de la physiopathe. Il y a la présence de calculs au niveau de la voie biliaire principale, donc le plus souvent c'est par migration, ok? Mais migration à partir de quoi? À partir de la vésicule biliaire. Mais des fois, sur formation in vivo, on parle de lithiase autochtone ou bien autochtone, plus rare, surtout dû à la stase. Ok, donc, et puis, puisqu'on parle de la lithiase de la voie biliaire principale qui est l'indication majeure à la cholangiographie, on pourrait aussi faire un petit rappel sur le tableau clinique de la lithiase de la voie biliaire principale. On va trouver donc une douleur à type de colique hépatique, un ictère juste quand c'est obstructif, sinon on ne le retrouve pas. Fièvre quand il y a une complication, c'est-à-dire il y a un syndrome infectieux l'angiocolite. Donc il faut savoir que la triade de Charcot aussi elle n'est pas toujours présente.
Ok. Quoi encore? C'est quand qu'on va demander une autre indication, où on va demander une cholangiographie. C'est le syndrome de cholestase. Le syndrome de cholestase clinique et biologique, ça veut dire quoi? Il y aura une malabsorption. Déjà, dans le syndrome de cholestase, car il n'y a pas un bon passage ou bien peu de passages de sels biliaires qui sont donc, on va dire, importantes pour la digestion. Donc, cliniquement, on aura quoi? On aura l'ictère, le prurit, les urines foncées et les sels décolorés. Et biologiquement, on aura la bilirubine élevée, gamma GT élevée, phosphatase alcaline élevée. Et aussi, il faut différencier le syndrome de cholestase du syndrome de cytolyse, où on aura aussi phosphatase alcaline, gamma GT, bilirubine élevée. Donc là, il faut faire la différence. Ok. Ok. Donc là, on a parlé, on a dit qu'on demande une cholangiographie en cas de lithiase de la voie biliaire principale, de facteurs ou bien de signes prédictifs de la lithiase de la voie biliaire principale comme l'ictère, mais aussi comme la pancréatite aiguë. La pancréatite aiguë, c'est-à-dire ce sujet avait un antécédent de pancréatite aiguë, puis et après la migration du calcul de la voie biliaire principale par migration, donc on aura donc une pancréatite aiguë par migration de ce calcul de la voie biliaire principale qui était donc un antécédent chez ce monsieur par exemple. Voilà, et puis on a aussi une dilatation de la voie biliaire principale à l'échographie. J'ai oublié de mentionner ici qu'elle devrait être supérieure à 8 mm, qui est donc prédictive de la lithiase de la voie biliaire principale. Donc à l'écho, on nous dit dilatation des voies biliaires principales sans visualisation de l'obstacle. Donc pourquoi elle est dilatée dans ce cas-là? Bien sûr, donc après avoir éliminé tout ce qui est néoplasique, on va parler d'une lithiase. Aussi, dans le cas d'un bilan biologique hépatique perturbé, dans ce cas aussi, il y a une lithiase vésiculaire peut-être. Donc, dans ce cas, peut-être aussi qu'il y a une lithiase de la voie biliaire principale qui est passée inaperçue aux examens, par exemple, morphologiques. Donc, on aura ce bilan aussi qui va nous orienter vers une cholangiographie. Voilà, donc au total, il y a quatre critères prédictifs. Il y a l'ictère, il y a la pancréatite aiguë, la dilatation de la voie biliaire principale, le bilan biologique hépatique perturbé. Donc, ces quatre critères rentrent dans les facteurs prédictifs d'une lithiase de la voie biliaire principale. On a aussi donc la cholangiographie en péropératoire. En péropératoire en cas de cholécystite aiguë. Donc dans l'urgence, on va opérer. Donc il y a ceux qui font cette lithiase de la voie biliaire principale automatiquement. Dans d'autres cas, non, ce n'est pas le cas. Mais donc en péropératoire, si on a une cholécystite aiguë, on pourrait faire une cholangiographie. Et puis on a le traumatisme des voies biliaires principales. Exemple, donc on est en train de faire une chirurgie, soit sur la vésicule biliaire ou autre, et on a sectionné la voie biliaire principale au lieu, par exemple, du cystique. On va donc au lieu, on a sectionné la voie biliaire et au lieu la vésicule biliaire, pardon, et au lieu de lier le canal cystique, on va par exemple lier la vésicule biliaire principale et on la sectionne. Dans ce cas, donc, on fait une cholangiographie péropératoire pour voir le bilan lésionnel. Est-ce qu'on répare sur place ou bien on va juste drainer, etc. En cas aussi de variante anatomique, donc soit déjà il vient avec un dossier qui la précise cette variante anatomique, on fait juste pour savoir où exactement, pour ne pas faire un traumatisme des voies biliaires principales. Ou bien c'est en péropératoire, on voit qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à une anatomie qu'on a l'habitude de voir, donc on va faire cette cholangiographie. Voilà, et puis aussi en péropératoire, on pourrait voir une voie biliaire principale qui est dilatée. Donc à sa palpation, on va voir comme ça des calculs et tout. Donc là, on pourrait faire aussi une cholangiographie. Ok, donc pour résumer, on a 9 indications à la cholangiographie.
On a dans le cas du nitiage de la voie biliaire principale, dans le cas d'un antécédent dictère, dans le cas d'un syndrome de cholestase, dans le cas d'un bilan biologique perturbé, d'une dilatation des voies biliaires principales à l'écho, et puis en péropératoire, en cas de cholécystite aiguë, de traumatisme des voies biliaires, ou bien en cas de variante anatomique, tout simplement. Maintenant, quelle est la technique de cette colangiographie? Comment on va la réaliser? Donc, on va introduire un fin cathéter dans le canal cystique ou bien dans le canal collé. Donc, il faut savoir qu'on toujours on privilégie donc, le canal cystique. Pourquoi? Il a ce privilège, donc le canal cystique, car le canal cholédoc a une vascularisation précaire. Donc, il a tendance à sténoser. On va l'irriter rapidement. Donc, dans n'importe quelle colangiographie, on commence d'abord par cathétériser le canal cystique. Après, selon ce qu'on va trouver, on va injecter donc, un produit de contraste radio-opaque qui va apparaître à la radiographie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de drains, donc cystiques. On va introduire au niveau du canal cystique, on va injecter le produit de contraste. Et toujours avant d'injecter, il va falloir purger. Avant d'injecter, donc il va falloir purger avec du sérum pour éliminer tout ce qui est bulles d'air et tout. Pourquoi? Car les bulles de gaz d'air, ils vont apparaître comme des lithiases. Donc, ça fausse le diagnostic. Et puis aussi, donc, on a voilà, les drains. Et puis aussi, il faut savoir qu'on met aussi un drain de Kerr. Le drain de Kerr, il est en forme de T. Vous voyez ici. Donc, il est en forme de T. De caoutchouc, en caoutchouc. Il est fait en caoutchouc. On va donc couper de part et d'autre et créer une gouttière. Et donc, on va introduire au niveau de la voie biliaire principale pour faire donc sortir ou bien évacuer la bile à travers ce drain de Kerr. Ok, donc après ça, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord individualiser les éléments. On va individualiser, comme vous voyez ici, on va individualiser les éléments. Donc, on enlève comme ça la vésicule biliaire de son nid vésiculaire. Puis, on va voir, on a donc l'anatomie normale. Vous vous souvenez certainement de ce schéma, le foie, la vésicule biliaire, le canal cystique. Donc, le canal cystique, le tronc hépatique commun, le canal hépatique commun, le canal cystique. Donc, canal cystique, canal hépatique vont former le canal cholédoque. Et puis, on aura aussi le canal de Wirsung à partir du pancréas. Et puis, on a l'ampoule de Vater. Donc, voilà, la voie biliaire principale, c'est le canal cholédoque. Et puis, vous voyez ici, donc 4, 2 et 3, c'est le canal gauche. Et puis, on a le canal droit qui, lui, va se bifurquer pour donner deux sectoriels, sectoriel antérieur et sectoriel postérieur. Donc, sectoriel antérieur, c'est T8, sectoriel postérieur, 6 et 5. Et puis, ces deux canaux hépatiques, gauche et droit, vont ils vont donner le canal hépatique commun. Voilà. Et puis, on a le canal cystique que vous voyez ici à partir de la vésicule biliaire. Et les deux vont former le canal cholédoque. Voilà donc comment vous allez voir sur une colangiographie. Les voies biliaires intrahépatiques, le canal cystique, cholédoque et duodénum. Là, c'est une colangiographie normale qu'on va interpréter. Ok, donc on a trois clichés à interpréter. Le premier cliché, c'est le cliché de détection. Cliché de détection, on va opacifier donc que la vésicule biliaire. On va injecter une petite quantité de produit de contraste sans hyperpression pour ne pas noyer d'éventuels calculs. Donc, ils ne vont pas apparaître à la radio s'ils sont noyés. On va détecter est-ce qu'il y a une image lacunaire. Donc, c'est-à-dire on va rechercher des lithiases. Donc, le premier cliché recherche le caractère de vacuité s'il y a une image lacunaire qui pourrait correspondre à des lithiases. C'est ce que ça veut dire la vacuité.
Et puis, on aura le deuxième cliché qui est le cliché de remplissage. Donc là, on va introduire ou bien injecter plus de quantité de produits de contraste en hyperpression. Donc ça va rechercher le caractère d'intégrité, donc ça va opacifier toutes les voies biliaires et ça va rechercher le caractère d'intégrité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une dilatation de la voie biliaire principale, une image d'amputation, donc un élément anatomique qui manque, ou bien d'addition, ou bien une fuite quelque part. Donc il y a eu une section, s'il y a eu une fuite. Donc intégrité, ça recherche la dilatation, l'amputation, l'addition et la fuite. Et puis on a le troisième cliché qui est le cliché de vidange qui va, donc là on ne fait rien, on n'injecte rien. Donc là, s'il y a une bonne perméabilité, il y aura une opacité, donc le duodénum, la partie inférieure du duodénum va s'opacifier. Ok, donc là on laisse le produit de contraste passer, elle va rechercher donc le critère de perméabilité, c'est-à-dire un bon passage vers le duodénum. On aura la classique image en feuille de fougère que je vais vous montrer. J'ai dit, on recherche toujours les trois critères VIP, vacuité, intégrité, perméabilité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la cholangiographie doit se lire toujours de la périphérie vers le centre. Comme ça, on ne va rien rater. Et puis, on doit visualiser les quatre canaux hépatiques comme je vous les ai déjà montré, commun, hépatique gauche, le sectoriel antérieur droit et gauche pour l'hépatique droit. Et puis aussi l'hépatogramme, on a dit il y a 8 canaux en tout et voilà. Voilà, donc comme vous voyez, vous avez trouvé 8 canaux. Et puis on doit identifier un arbre biliaire intrahépatique complet et aussi, elle sert à quoi la cholangiographie? Elle détecte les plaies des voies biliaires, comme on a dit, la sténose, la fuite, aussi la vacuité de la voie biliaire principale, et aussi des images lacunaires, comme on a dit, correspondant à des calculs à différencier avec des butères. J'ai déjà expliqué tout ça. Ça permet de préciser le caractère, le nombre, le siège des calculs. D'ailleurs, vous devez le préciser dans votre interprétation et de visualiser le bon passage duodénal du produit de contraste, comme on avait dit. Donc là, je vais juste vous dire qu'il y a d'autres examens. Il y a d'autres examens qui peuvent nous donner donc, un cholangiogramme. Parmi eux, on a deux. C'est la bilirm, mais aussi la CPRE, c'est-à-dire la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. Et c'est là, la CPRE, on la fait plus donc, à but thérapeutique. Après ça, donc, pour l'interprétation, comment vous allez procéder? Si on vous donne un cliché ou trois clichés, vous allez toujours interpréter les trois clichés, c'est-à-dire vous allez dire toutes les étapes. D'abord, vous allez dire, c'est une cholangiographie post ou péropératoire, si vous ne le savez pas. Si vous voyez des clips comme ça, des points noirs, c'est-à-dire que c'est péropératoire. Et généralement, c'est péropératoire. Et puis, vous allez d'abord procéder, comme je vous ai expliqué, cliché de détection. Vous allez dire qui va rechercher le critère de vacuité. Vous allez voir s'il est respecté ou non. Donc ça dépend, s'il y a des images lacunaires, c'est-à-dire il n'est pas respecté, c'est-à-dire des lithiases, il n'est pas respecté. S'il n'y a pas d'image lacunaire, c'est-à-dire il est respecté. Le cliché numéro 2, c'est le cliché de remplissage qui va rechercher le critère d'intégrité qui est respecté ou pas, il est respecté ou pas, par la présence de dilatation, de fuite, d'image d'amputation ou d'addition. S'il y a présence, on va dire qu'il n'est pas respecté car il y a une image, par exemple, il y a une dilatation de la voie biliaire principale du canal collé. Donc vous devez préciser quel canal qui est dilaté, où il y a cette image de fuite, de dilatation, d'addition, d'amputation. Et puis pour le troisième cliché, vous allez dire que c'est le cliché de vidange qui recherche le critère de perméabilité qui est respecté ou pas par le passage duodénal. Vous allez dire que voilà, par la présence, donc par un bon passage duodénal, donc qu'on voit sous forme d'une image en feuille de fougère. Ça, si vous voulez vraiment voilà, utiliser le vocabulaire. Et puis, en conclusion, toujours, vous allez dire, au final, c'est une cholangiographie satisfaisante si elle respecte les trois critères VIP. Sinon, vous allez dire qu'elle n'est pas satisfaisante. Pourquoi? Vous devez préciser, car le critère, par exemple, d'intégrité n'est pas respecté. Maintenant, on va voir les exemples.
Avant ça, je voulais juste vous donner une petite remarque, on va dire clinique. Si on vous dit il y a un patient qui vient chez vous, il a pourquoi pour ictère. Seulement pour ictère, il n'y a rien d'autre. Vous allez penser à quoi en premier lieu? Au cancer de la tête du pancréas par compression, du foie, donc il va donner un ictère. Ça, c'est juste une petite remarque. Donc, maintenant, on va voir juste quelques images. Vous voyez ici le canal hépatique gauche, le droit, le commun, le cystique, le cholédoque, le Wirsung. Puis là, toujours, c'est la typique. Donc là, si je veux interpréter, je vais dire c'est une cholangiographie, père ou post-opératoire. Je procède les trois clichés, 1, 2, 3. Donc là, pour interpréter, j'ai dit, on va dire cholangiographie, père ou post-opératoire. Le cliché 1, c'est, il recherche le caractère de vacuité. C'est le cliché de détection. Vous allez dire, est-ce qu'il est respecté ou pas? Oui, il est respecté dans ce cas. Le deuxième cliché aussi, qui cherche le critère d'intégrité, qui est le cliché de remplissage, qui dans ce cas est respecté, vu qu'on voit tout l'arbre biliaire, tout les canaux hépatiques et tout, donc il est respecté. Et puis le dernier cliché, c'est le cliché de vidange, qui cherche le critère de perméabilité, qui dans ce cas est respecté, vu qu'on a un bon passage duodénal, et vous voyez ici le duodénum sous forme de feuilles de fougère. Ici vous voyez donc le drain de Kerr, et vous voyez il y a la présence de calcul, donc ici le caractère le premier caractère de détection n'est pas respecté vu qu'il y a des images lacunaires. Il y a aussi une dilatation. Donc, dans ce cas-là, les critères d'intégrité, de vacuité ne sont pas respectés et vous devez bien sûr procéder à l'interprétation comme je vous ai dit toujours. C'est là aussi, c'est une image de dilatation. Et là, c'est une image d'amputation. Si vous voyez bien, le canal droit hépatique, il n'est pas visible. Et au fait, là, on devait sectionner le canal cystique et puis on a pris le canal hépatique, le canal droit pour le canal cystique et on l'a sectionné. Et c'est pourquoi, donc là il y a des pièges et des difficultés toujours dans ces interventions chirurgicales. Et dans ce cas-là, vous voyez, c'est une image d'amputation, donc c'est une cholangiographie non satisfaisante vu que le caractère d'intégrité n'est pas respecté.